d'abord une des conséquences importantes de la mondialisation, à savoir la production d'une population sans droit, exploitable et corvéable à merci par les entreprises ne pouvant pas être délocalisées. En donnant la parole à des démographes renommés et en restituant les résultats de leurs recherches, ils démontrent le besoin démographique incontestable de tous les pays européens ne pouvant être comblé que par un appel important à l'immigration. Cette situation démographique est résumée comme suit par le démographe François Errant pour la France. Je cite « À l'horizon d'une génération, la migration de peuplement deviendra le principal, voire l'unique facteur de notre croissance démographique. Même si la France maintient sa fécondité, elle ne pourra plus croître sans la migration. Que faisons-nous pour nous y préparer ?» Fin de citation. En fait, l'irrationalité des politiques migratoires en vigueur dans toute l'Union européenne s'explique par la soif du profit, nécessitant pour certains secteurs un volant de main-d'œuvre sans droit. Beaucoup de ces sans-papiers finissent après une période de plusieurs années par être régularisés. Ils sont remplacés par de nouveaux sans-papiers qui, comme leurs prédécesseurs, sont contraints d'accepter une condition de surexploité pour survivre. Il n'y a de fait aucune volonté d'expulser massivement les sans-papiers. Il y a en revanche la volonté de maintenir l'épée de Damoclès de l'expulsion pour les contraindre à accepter le rôle de paria. Le chapitre documente à partir des recherches les plus récentes l'ensemble des questions soulevées par cette nouvelle forme de travail et des effets sur les sociétés européennes. Pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail de l'ensemble des salariés, banalisation des contrôles aux faciès, séparation des familles en cas d'expulsion, drames liés à la politique répressive lors des contrôles. Notre chapitre 6 démontre l'urgence d'une mobilisation de l'opinion publique face à des politiques publiques européennes inhumaines et ne respectant pas la dignité de l'être humain.